Chevalier, qu'a donc subi votre navire ? Il a essuyé quelques coups de canon. Je suis parvenu à couler 3 navires, mais... le Gerfaut a bien failli les suivre. Avez-vous connu meilleure fortune, chasseur ? En effet. Mes sources m'ont informé que Samuel Smith cherche par tous les moyens celui de faire fonctionner cette boîte si étrange. Il vient juste de rentrer d'Europe. Où se trouve-t-il ? Il répare sa goélette. Si vous faites vite... vous pourrez le surprendre, ici. Oh, vous vous souvenez de ces plans. J'ai chargé un ingénieur de fabriquer cette arme pour votre navire. Le canon a une puissance de feu 2 fois supérieure à une brigade d'artillerie et tire 2 fois plus vite. Merci, mon ami. Je suis au service de mes frères de l'ombre. Me joindre à vous. Dans ce cas, le volant. Tu es d'humeur bien jolie, Shane. Pourquoi bouder mon plaisir ? Je dispose d'une nouvelle arme et j'aurai bientôt l'occasion de m'en servir. D'autant plus que je suis prêt à parier que ce Suisse sera sous haute protection, comme tous les Templiers. Je me suis également permis de commander quelques améliorations. Désormais, le Morrigan est équipé d'un éperon capable de fendre les glaces. J'avais eu vent de pareilles technologies, mais je ne l'ai jamais vu à l'œuvre. Où est Smith ? Dans les parages ? Oui, il navigue dans ce secteur. Et il détient probablement la boîte des précurseurs. Alors, où ? Et voilà ! Heureuse coïncidence ! Dame Fortune ne cesse donc de vous sourire. Il nous a vus. En chasse. Mais ne tirez pas. Nous ne pouvons pas risquer d'abîmer la boîte ou de la voir sombrer. Cette raton ne peut donc pas aller plus vite. Mon navire est à flot, contrairement au vôtre. Feu ! Notre cible est colonisée. L'histoire de son. C'est le trésorier des Templiers. J'ignore ce qu'il peut bien faire. Il est peut-être venu retrouver quelqu'un. À moins qu'il n'ait croisé vos pirates. S'il répare son navire, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Si l'un de mes alliés l'avait attaqué, je l'aurais su par la En tout cas, il revient de bien le traverser. C'est le moment de l'intercepter. Smith contrôle les ressources des Templiers, n'est-ce pas ? Si nous nous débarrassons de lui... C'est à lui que Washington a confié la boîte des précurseurs. Sans doute la détient-il encore. Shay a raison. La boîte prime sur le reste. On ne doit pas couler son navire. Il faudra l'aborder ou le forcer à s'échouer. Capitaine, il passe à travers les glaces. On dirait que tu n'es pas le seul à être équipé d'un tel éperon, Shay. Espérons que le nôtre sera aussi efficace. On continue à avancer. Cette glace ne peut pas nous arrêter. À l'avant, capitaine. Va marcher. La voie est libre. La fortune vous sourit encore. Et ne perdez pas de temps à vous couvrir de louanges. Smith est en train de s'échapper. C'est lui, Patrick, c'est ça. Une embuscade ! Envoyez ces diables en enfer ! Smith ne doit pas s'échapper ! Oh, il est vulnérable, là, capitaine ! Attends-moi !
Facile. Où est le navire de Smith? Occupons-nous d'abord de ces navires. Nous le retrouverons. Oh, il a repris sa route. Nul doute qu'il espérait assister à votre trépas. Je suis ravi de le décevoir. D'autant qu'il est toujours à portée. Tactique des Templiers. Peuvent recouvrir de flammes des pans entiers d'océan. Sois prudent, Shay. Ou on va finir ensemble. Il jette ses dernières armes dans la bataille. Rien de plus. Il sait que nous le tenons. Envoyez toute la toile. En avant tout. Rien qui vaille. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est fermer les yeux et rêver à la chaleur de Nassau. Alors, ces dégâts, on en est où? Hey, attention! Là! Par l'avant! Nous savons maintenant où ils se rendaient. Il a installé un campement sur ses rivages. Suivez-le à terre, et je t'interdis de faire feu à proximité de notre précieuse boîte. Comptez sur moi, je le rattraperai. Thank you.
Songe à ce que tu es en train de faire, assassin. Ta confrérie se... C'est impossible. Non. Sais-tu au moins ce que c'est? Une relique très ancienne, créée par ceux qui étaient là avant. Oui. Mais peu importe. Les plus grands esprits scientifiques de toute l'Europe n'ont pas su quoi en faire. Il ne me manque plus que le manuscrit pour découvrir toute la vérité. J'ai la boîte des précurseurs. Des précurseurs. Smith est mort. Bravo, chef. Où est le chevalier? Il regagne le Gerfaut. Je crois qu'il ne sera pas des nôtres pour les festivités. Je ne me sens pas d'humeur à y participer, Elia. Je sais qu'il faut récupérer ses reliques. Mais à quel prix? Samuel Smith. Ça fait à peine... Nécessaire. Mais... Cesse de douter. Smith. Thank you.
Oh, bonnette! Je veux de la vitesse! Frappez! Défermez les cacatois! Albanique, la plus grande de toute la France. On se dirige droit sur la terre, capitaine. Te voilà. Le Congrès délibère toujours. George Washington et sa milice sont tirés sur les troupes françaises près de Dumonville. Les Français dénoncent un acte de guerre. Washington, le frère cadet de Lawrence ? Oui, celui-là même. À propos de Lawrence Washington, depuis que tu l'as éliminé, James Wardrop a pris du galon. Il dispose désormais de toutes les ressources des Templiers. Qu'est devenu le manuscrit ? Mes sources à New York confirment que Wardrop le détient. Et j'ai aussi appris qu'il est ici au Congrès, sous bonne escorte. Shay, trouve Wardrop et récupère ce manuscrit. La ville grouille de soldats templiers. Nous allons faire en sorte qu'ils ne s'enfuient pas.
still not some cloak twitching crib, are you? Got your eye on someone, have you? Yes, but I don't want to mention his name. I'm parched. Ah, ce doit être le Templier William Johnson. S'il ne détient pas lui-même le manuscrit, il doit savoir où il se trouve. Je l'ai dit et je le répète, nous avons besoin d'une union nationale, promulguée par une loi du Parlement, mais octroyant une plus grande indépendance à nos colonies. Les Français incarnent une menace contre laquelle nous sommes désarmés. Pour être clair, les colonies doivent s'unir ou périr. Un fort beau discours, Master Franklin. Mais croyez-vous vraiment que la Grande-Bretagne octroiera l'autonomie à ses colonies ? Il n'y a guère le choix, Master Johnson. Vous mesurez mieux que quiconque l'isolement de cette frontière. Certes. Mais laissons un peu de côté la politique. Je venais vous remercier pour vos recherches. Merci. Dès l'instant où j'ai vu cette boîte, j'ai senti qu'elle avait quelque chose d'unique. L'Égypte antique, dites-vous. Ma foi, comme je l'ai évoqué dans ma lettre, je me propose de l'électrifier. Parfait. Nous vous la ferons parvenir sous peu. Et quant au manuscrit... Capitaine! Toutes mes excuses, sir. Mais Master Wardrop a tenu à le garder. Il a jugé les risques trop grands. Les risques? Ah. Veuillez me pardonner. Vous aurez le manuscrit et la boîte dans les plus brefs délais. Misérable soldat de pacotille! Courez à Fort Frédéric et dites à Master Wardrop qu'il a intérêt à nous donner ce manuscrit au plus vite. Sans quoi je le fais scalper. Cette tunique rouge ne doit pas atteindre Wardrop. Cette tunique rouge ne doit pas atteindre Wardrop. Cette tunique rouge ne doit pas atteindre Wardrop. Occupons-nous de Wardrop et du manuscrit. Yeah.
Tu as échoué, chien de Templier. Non, tu n'as pas idée de ce que tu fais, pauvre fou. Je sauve le peuple de votre emprise. Tu préfères donc voir la France nous forcer à tous courber les chines? Les colonies se porteront beaucoup mieux lorsque les Templiers ne les contrôleront plus. Nous forgeons l'ordre au cœur du chaos. Si tout est permis... Alors nul n'est à l'abri. Même le diable peut citer la Bible pour favoriser ses desseins. Thank you.